La vidéo que vous vous apprêtez à découvrir aujourd'hui est la première d'une trilogie, puisque j'ai eu le privilège, et je les en remercie d'ailleurs, d'être choisi par Big Board Theory pour participer à la communication de leur première campagne. Big Board Theory, c'est une compagnie que vous ne connaissez certainement pas, puisqu'elle a été montée spécifiquement pour la campagne à venir, et Disrupt, le jeu en question, est édité par Triple Meeple, que vous ne connaissez pas non plus, puisqu'il s'agit d'un primo-éditeur. On aura donc le droit aujourd'hui à un unboxing, c'est ce qui m'a été demandé, c'est pas ce que je fais le plus. J'ai le droit à une ébauche de règles en PDF, ce qui veut dire que je pourrais vous avancer quelques concepts, mais je vais surtout vous montrer le matériel, ce sera pas du tout une vidéo règle. Dans un deuxième temps, la semaine prochaine normalement, avant le début de la campagne, on aura le droit à une review tout à fait classique, ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, à savoir donc un survol des règles et puis une analyse un petit peu plus poussée des mécaniques après plusieurs parties. Enfin, en courant de campagne, on étudiera le mode solo via le mode TTS qui lui normalement sera public assez prochainement. Alors évidemment c'est une vidéo sponsorisée mais on va replacer le contexte tout de suite puisque malheureusement l'actualité s'y prête. Il est toujours plus risqué de présenter ou même de backer le jeu d'un primo-éditeur. En l'occurrence moi je vais quasiment découvrir le jeu en même temps que vous, l'ouvrir aujourd'hui, l'étudier dans les jours à venir. Il faudra bien sûr être regardant sur ce qu'on vous propose pendant la page de campagne. D'autant plus parce que, et c'est un petit peu la malédiction de ce mois de mai, j'ai reçu le prototype assez tard, comme The Hunters que je vous présentais la semaine dernière, et qu'il faudra donc un petit peu de recul sur ce qui seront de ma part des premières impressions, même si là quand même on a, allez on va dire, deux bonnes semaines pour creuser le sujet vraiment à fond. Alors je peux vous toucher deux mots du pourquoi j'ai accepté de participer à cette campagne, c'est surtout parce que dès les premiers instants, dès les premiers visuels, Disrupt m'a fait penser à un jeu avec lequel je vous tanne depuis des mois maintenant, qui s'appelle Hégémonie, qui est dans le top 10 des titres que j'attends le plus depuis plus d'un an, qui va normalement bientôt arriver en français par chez nous, et ces deux jeux-là ont des similarités. Disrupt, c'est un jeu de pose d'ouvrier asymétrique, jusque-là tout va bien, mais il va plus loin que ça. C'est-à-dire que d'abord il est assez fidèle à, en tout cas, l'image qu'on se fait de l'économie comme elle tourne aujourd'hui. Les deux jeux que j'évoque là ne sont pas dans un monde de chevaliers ou de princesses, c'est vraiment le monde actuel et l'économie actuelle. Et chaque joueur qui va incarner un acteur du monde de la finance aura, en plus donc de ses cartes actions propres, son objectif propre, ses ressources de départ propres, une sorte d'interdépendance avec les autres. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas gagner seul, c'est un jeu 100% compétitif, c'est un jeu même de requin, mais vous ne pourrez pas gagner seul, vous aurez besoin de tel ou tel joueur pour faire telle ou telle action, pour vous développer dans tel secteur, et donc ça va vous demander une grande intelligence de jeu, puisqu'il faudra réussir à ne pas trop avantager vos adversaires quand vous aurez besoin d'eux, et puis aussi ça colle vraiment pas mal à ce qui se fait, à ce qu'on voit aujourd'hui, à l'image que l'on se fait de l'économie et de comment elle tourne actuellement. Alors le fait que les mécaniques évoquent Hégémonie et que moi-même je pense j'évoque beaucoup Hégémonie dans les minutes et dans les vidéos à venir ne veut pas dire que ce sont des copies du tout, ce serait comme dire que deux jeux sont similaires parce que ce sont des dungeon crawlers. En l'occurrence et de ce que j'ai vu, Disrupt a l'air quand même beaucoup plus épuré sur son plateau et dans le nombre d'interactions possibles entre les joueurs, entre les mécaniques, parce qu'Hégémonie fait un petit peu peur quand même par sa richesse, hein. C'est un jeu qui a été bossé par des économistes, donc un petit peu plus accessible, un peu moins effrayant. Et puis aussi un monde qui est complètement différent, puisque là on est à 100% dans ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les crypto-monnaies, on va jouer avec la bourse, avec les actions, tout ce genre de choses. Donc un package peut-être un petit peu plus accessible, et puis un petit peu plus high-tech, on va dire. J'essaierai bien sûr de vous brosser rapidement les spécificités de chacune des factions, ou en tout cas chacun des acteurs que les joueurs peuvent incarner pendant le déballage de la boîte, l'étude du matériel. En tout cas pour résumer, donc c'est de la pose d'ouvrier, c'est asymétrique, c'est pour 1 à 4 joueurs puisque normalement je vous parlerai bientôt du mode solo. C'est annoncé bien sûr en français, ça commence le 16 mai et une fois n'est pas coutume, je vous signale que le lien menant à la page Kickstarter, qui va se trouver quelque part par ici et puis en description, est un lien affilié, ce qui veut dire qu'en cliquant dessus juste pour aller voir la page, vous me rendez service, vous montrez à l'éditeur que ce que je produis vous intéresse et ça c'est plutôt pas mal. On attaque tout de suite avec le déballage. Alors on est, vous l'avez compris, hein, sur un prototype, c'est-à-dire que rien de ce que vous ne voyez ici ne sera forcément dans sa forme finale.
Malgré tout, on peut noter tout de suite avec cette boîte, donc qui n'est peut-être pas la boîte définitive, d'ailleurs on voit qu'il n'y a rien du tout derrière, hein, c'est vraiment une boîte de prototype, même si elle est plutôt mieux faite que ce qu'on a souvent en termes de prototype ces temps-ci. On va noter en tout cas dans cette vidéo quelques choix de direction artistique qui sont, on va dire, audacieux ou un peu différents de ce qu'on va voir d'habitude. Le premier, bah, il vous saute aux yeux, c'est que cette couverture était assez épurée, on va dire. Il y a peu de choses et finalement, on sait relativement peu ce à quoi on a affaire, à part bien sûr avec le logo Bitcoin, Litecoin et compagnie. On sait qu'on va avoir affaire aux nouvelles technologies, à de l'investissement. En l'occurrence, j'y viendrai un petit peu plus tard, hein, c'est bien sûr le thème du jeu, le fond du jeu. Alors j'imagine que dedans, ce sera quand même d'une qualité assez prototypaire, hein, ce qui veut dire, ouais voilà, ce qui veut dire avec du papier surtout, hein. Mais si on se réfère, je vous le montre tout de suite, si on se réfère au semblant, à la bêta de livret de règles que j'ai déjà en version dématérialisée, on voit qu'il est prévu bien évidemment d'avoir un insert tout à fait fonctionnel pour ranger tout ce qu'on va trouver dans la boîte. Pour l'instant donc, ce sera un petit peu en vrac. Alors je vais commencer, on voit qu'il y a pas mal de jetons, il y a surtout des jetons. Je vais commencer peut-être par évoquer justement la fonction de tous ces jetons. Alors on a pas mal de cubes. L'idée, c'est que on va avoir plusieurs entreprises donc de nouvelles technologies qui, vous le voyez peut-être déjà, singent un petit peu ce qui existe. On a une parodie de YouTube, de Prime Video ici, Facebook, Bitcoin certainement, Netflix, ça je suis pas certain. Et on va investir en fait, selon, on va y venir, on va incarner plusieurs rôles, on va chacun investir dans ces sociétés, essayer de faire en sorte qu'elles marchent, acheter, vendre des actions. Et puis au bout de 6 tours, il faudra faire en sorte d'avoir le plus de ressources, de revenus possible, c'est-à-dire bah, tout simplement d'investir dans les compagnies qui marchent. Et ça, là, ces petits cubes-là, c'est ce qu'on va placer sur nos projets, j'y viendrai un petit peu plus tard avec les doubles couches qu'on voit ici. Il va s'agir en fait de design, de développement et de marketing, ce sont les trois un petit peu ressources qu'on va allouer à nos projets, donc qu'on va tout simplement insuffler aux projets, aux entreprises qui sont là derrière, et ce seront celles qui auront le plus de ces cubes, j'imagine, je ne suis pas allé dans le détail du scoring encore puisque je ne l'ai pas, les compagnies qui auront le plus de ces cubes qui rapporteront le plus d'argent et qui détermineront le vainqueur. On a aussi un autre type de ressources, c'est ce qu'on va trouver ici. Et là, c'est plus, ce sont plus des ressources qui vont être liées à nous en tant que joueurs. Donc il y en a trois aussi. On a, alors vous le voyez, hein, l'iconique petit like bleu. Donc c'est like, en fait, ça va être l'engouement du public pour ce qu'on fait ou pour les entreprises derrière. Et c'est ce qu'on va dépenser parfois pour faire avancer ou faire des changements dans ces fameuses entreprises. On a l'expérience je vais les sortir tout simplement. L'expérience, ce sont les petites ampoules noires, hein, donc qui vont tout simplement garder trace de notre évolution quelque part en tant qu'investisseur. Et puis ici on a l'innovation qui va être très très importante aussi, puisque ces entreprises pour grandir, pour évoluer, pour se développer, elles vont devoir innover évidemment pour aller chercher le public. Je vais laisser ça bien en vue, et on aura bien sûr, puisqu'il s'agit, je l'ai dit en introduction, d'un jeu de pause ouvrier, on aura nos petits ouvriers qui sont déjà en screen print. Encore une fois, c'est un prototype d'assez bonne facture, donc des screen print qui sont plutôt sympas. Alors on a pour le coup un parti pris assez humoristique sur les meeples. On voit que celui-ci est assez rigolo dans son design, donc avec une belle calvitie là. Donc chaque joueur aura les meeples de son type. Je peux peut-être tout de suite d'ailleurs évoquer les quatre carrières que l'on peut embrasser dans ce jeu, donc qui se joue jusqu'à 4 et dans lequel on est interdépendant. On aura en bleu, je vais vous les présenter. On aura en bleu le start-upper, c'est celui qui partira finalement avec le moins de ressources, et c'est lui qui va devoir faire en sorte que ses nouvelles idées fonctionnent. Et donc qui sera un petit peu celui qui va proposer les idées et puis lancer les compagnies sur le marché. On a ce qu'ils appellent alors le BPO, le Business Process Outsourcer. C'est celui finalement qui va aller chercher, si j'ai bien compris, des ressources ou des solutions pour renforcer et développer les projets. Donc lui, il va plutôt bénéficier de la plus-value qu'il va apporter aux entreprises. Donc on imagine qu'il pourrait être sollicité par le joueur qui joue le start-upper pour booster un petit peu ses revenus, même peut-être sa valeur en bourse, sachant que lui va bénéficier de ce qu'il touchera en retour en termes de parts ou peut-être de salaire. On a l'angel investor. Alors ça, c'est un terme qui est un petit peu aussi connu maintenant en France. C'est celui qui va aller mettre ses sous dans des projets qui peut-être n'ont pas encore déclenché toute la hype et qui ont du potentiel.
Ça va être un petit peu le chercheur de talent. Donc lui, il va devoir mettre son argent au moment où les entreprises sont le plus bas, quelque part, et puis essayer de faire en sorte que, bah, d'avoir du flair, en fait, et de miser sur les entreprises qui vont fructifier. Donc c'est peut-être le rôle le plus risqué, le plus acrobatique, ça va dépendre un petit peu des règles et de l'équilibrage. En tout cas, bon, il est iconique, il avait à être là. Et bien sûr, on a le market leader qui est peut-être le rôle le plus marrant. Alors pour ceux qui connaissent Hégémonie, on se rapproche du rôle du patronat dans Hégémonie. C'est-à-dire que le market leader, c'est celui qui est déjà en place. Ça va être, je sais pas, si on prend aujourd'hui le TikTok ou il y a quelques années le Facebook. C'est celui qui a eu la bonne idée avant tout le monde, qui a déjà beaucoup de revenus, mais qui par contre pourrait souffrir d'une sorte d'usure du public vis-à-vis de ce dans quoi lui a investi ou de ce qu'il a créé, et qui va devoir se battre un petit peu pour garder son trône. Voilà pour les quatre fonctions. Sachant qu'évidemment le jeu, comme encore une fois dans Hégémonie, je vais faire des parallèles mais ils sont flatteurs, hein, à deux joueurs vous ne pourrez pas jouer qui vous voulez, puisqu'il faut évidemment que les rôles soient un petit peu complémentaires et interdépendants, donc ce sera toujours... C'était quand même mon point de vue sur Hégémonie. Ce sera toujours plus marrant et ça brillera toujours plus que si vous êtes 4 joueurs, évidemment. Puisque vous ne pourrez pas, si vous voulez, dire « Allez, on est deux, ce coup-ci on fait Startup et Angel Investor, la prochaine fois on fera BPO au Market Leader », c'est pas possible. Les rôles sont fixes pour des questions, évidemment, d'équilibrage. Là, on va voir, je vous les sors, des tuiles double couche. Alors, il n'est pas impossible, j'ai pas l'info, hein, mais que ce soit que le plateau, que je vous montrerai après, qui doit être au fond, j'imagine, j'espère, il n'est pas impossible que le plateau soit aussi double couche, ce qui serait quand même assez pratique. En tout cas, quand on lance un projet, vous voyez ces projets-là, quand ils sont lancés, c'est là qu'on va aller placer le design, le développement et le marketing, et c'est au final le nombre de cubes qui seront là-dedans à la fin de la partie, ou même d'ailleurs en cours de partie, qui orienteront, qui aiguilleront sur la valeur réelle de la compagnie, même s'il n'y aura pas que ça, puisqu'on peut la développer énormément, et avoir le problème que le public ne suive pas, et que les gens ne viennent pas sur la plateforme. Donc il y aura vraiment deux choses à part, ce qu'on va mettre dans les entreprises, ce qu'on va essayer d'en faire en mettant des cubes pour que sa valeur, en tout cas théorique au potentiel, augmente, et puis la réaction du public et leur adhésion finalement à votre projet. On a pas mal de cartes, alors je vais évidemment ouvrir le paquet. En fait, on est sur une série, on a deux séries de cartes, on a des cartes actions, chacun aura une main de cartes. Je ne sais pas si elles sont propres d'ailleurs à chaque rôle, ça me paraîtrait logique, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc pendant son tour, on pourra jouer des cartes sur le plateau, que je vous montrerai aussi après, parce que j'ai peur d'avoir du mal à les chercher pour l'instant. Donc voilà, on a ces cartes qui nous sont propres, et puis on a des cartes événements aussi qui vont arriver, puisque vous le savez encore plus dans les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et autres, on est dans un environnement qui est très très imprévisible, et donc il va pouvoir se passer plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on a bien sûr des aides de jeu, c'est logique. On a ici des cartes dont je n'ai pas le détail, je ne sais pas quoi servent ces cartes exactement. Il semblerait que ce soit des événements, puisque ça nous donne des instructions. On a ici les cartes que nous joueurs allons pouvoir utiliser. Alors j'évoquais des choix de DA. L'autre choix de DA qui sera peut-être clivant, qui est en tout cas original, c'est qu'on se rapproche plus ici de la photo que du dessin. Clairement c'est pas du dessin, c'est de la photo. Peut-être de la photo faite par IA sur certaines, ça pourrait sauter aux yeux plus que sur d'autres. En tout cas ça... Alors ça a double tranchant, c'est-à-dire que ça va rajouter une forme de réalisme. Je précise tout de suite que les cartes, encore une fois pour du prototype, sont d'assez bonne qualité. Ça rajoute en réalisme, hein, puisqu'on est vraiment dans le monde de l'entreprise, mais on perd un petit peu ce charme aussi d'une patte d'auteur qui va illustrer un jeu, comme c'est le cas d'ailleurs pour Hégémonie, et dans Hégémonie ça marche très bien. C'est peut-être un choix, on va dire, de budget, c'est peut-être un choix tout simplement éditorial aussi, je ne sais pas. Donc ces cartes-là, on va les placer, il y en a qui vont directement déclencher un événement, il y en a celles avec la barre sur le côté là qui généreront des actions à la fin des tours et puis qui bougeront sur le plateau, et il y en a du coup pas mal du tout, avec évidemment un coût en haut à gauche en millions, on parle directement en millions évidemment. Voilà, donc il y a ce choix-là, ce choix de la photo, presque partout. Et puis il y a des cartes qui sont malgré tout assez lisibles, j'ai l'impression déjà ce sera un jeu, alors il est annoncé, hein, il est pressenti en français, mais c'est un jeu qui est assez léger en texte en jeu, puisque si je reprends le paquet que je viens de poser, là à part des titres, on a que des icônes, à la limite ici une phrase ou deux, c'est pas un jeu très lourd en anglais, et en plus c'est pas de l'anglais, c'est de l'anglais de jeu vraiment courant, alors que dans le livret de règles, en tout cas dans cette version un petit peu abrégée que j'ai moi, on a l'impression quand même d'être sur un...
un jeu et des auteurs qui connaissent un petit peu le fonctionnement de tout ça. Ça a pas l'air d'être improvisé, ça a pas l'air d'être trop arcadisé, on va dire, et ça a l'air assez réaliste dans le fonctionnement, enfin réaliste. En tout cas, ça prend en compte beaucoup d'éléments du fonctionnement de l'économie, en tout cas pour autant que moi je le sache. Alors vous le voyez ici, on a des petites pressions, là, des petits pins. Et moi je sais à quoi ils servent, mais alors je ne sais pas si le matériel en question sera dans ma boîte, je l'espère. C'est qu'ils ont... Bon voilà, le plateau est là, nous sommes sauvés, la vidéo est sauvée. Ouais, elles sont là. En fait, le compteur de points, ça va être des cartes de crédit, tout simplement. Je vais éviter de parler quand je déballe parce que j'ai l'impression que le micro prend beaucoup les bruits de plastique. Donc je dis que les compteurs de points voilà, sont des cartes de crédit. Donc on va les assembler avec le compteur avec le numéro qui sort ici. Et puis on fera tourner pour faire augmenter ces points de victoire. Ce qui est assez marrant en fait, ce qui est encore une fois assez thématique. Et c'est un jeu qui a l'air, alors qu'on adhère ou pas à cette DA photo, à ce côté un petit peu épuré, qui a l'air quand même pas trop mal fichu, pas trop mal pensé en termes de design, vous voyez, de thème global. Ça a l'air d'être bien pensé, d'être fait avec un petit peu avec amour. Et j'imagine que si ils obtiennent le financement dont ils ont besoin, ce sera un très 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 beau jeu, assez luxueux. Donc on aura nos cartes bleues ici, et puis on aura donc toute une série de jetons. Et là, peut-être qu'avec un petit peu de chance, je pourrais vous montrer le plateau en même temps pour essayer de vous expliquer comment ça va marcher. On a donc ici le plateau dans toute sa gloire. Et vous le voyez, il y a pas mal de choses. Donc, dans la continuité de ce qu'on disait par rapport au choix de direction artistique, c'est à la fois un prototype, donc prudence, mais en même temps, ça a l'air assez épuré. Un petit peu plus même que ce qu'offrait Hégémonie. Mais c'est peut-être une bonne chose aussi parce qu'Hégémonie peut faire peur, fait même un petit peu peur quand on ne connaît pas les règles, parce qu'il y a énormément finalement de composants, de contenu dessus. Là, on est encore une fois sur quelque chose donc de plus simple. Pas tant dans les mécaniques, mais en tout cas dans la présentation, et ça fait c'est peut-être moins effrayant au premier regard. Donc l'idée, vous vous en doutez, c'est que chacun va avoir ses colonnes sur lesquelles il va pouvoir placer par exemple des cartes. Donc je ressors mon exemple de tout à l'heure. Alors je peux vous confirmer d'ailleurs, il suffit de regarder les dos, hein, qu'on a vraiment un deck de cartes par joueur, par type de joueur. Et évidemment c'est tout à fait logique. Et quand vous regardez de l'autre côté, alors je suis tombé sur une carte assez marrante qui était privation de sommeil. Et finalement c'est une carte du poids lourd, hein, de celui qui est déjà installé, de la grosse compagnie. Alors j'imagine que soit vous allez pouvoir l'infliger à quelqu'un d'autre, histoire qu'il perde de l'innovation, soit peut-être, alors je ne sais pas, hein, mais l'infliger à vos propres employés pour qu'ils bossent plus. Mais en tout cas voilà, il y a des hackers, il y a pas mal de choses, on peut aussi se faire des crasses. En tout cas ces cartes-là, vous les posez sur une zone du jeu, et donc toutes ces actions-là sont résolues à la fin, enfin en courant de tour. Donc ça fait partie des actions que vous pourrez jouer dans le cadre de ce que vous avez dans votre main. N'oubliez pas donc qu'on a aussi les événements. Sur ces emplacements, alors vous voyez qu'ici il y a déjà trois compagnies qui sont déjà installées, donc j'imagine qu'ils appartiennent à la grosse boîte qui est déjà préinstallée. On va pouvoir bien sûr aussi lancer des boîtes, et puis donc essayer de faire en sorte qu'il y ait des cubes qui arrivent dessus en développement, en marketing, histoire qu'elles grossissent. Et avec les petits jetons qui sont maintenant cachés ici, ces jetons là, si vous voulez, allez, imaginons que j'ai lancé que je veux miser sur Cardflix, on a en bas une valeur en bourse. Alors c'est peut-être un peu petit et tout tombe autour de moi, tout tombe en morceaux, c'est peut-être un peu petit, mais là on a des prix en fait, et on a ici les joueurs, et donc tout simplement on va placer ici son action quelque part pour dire à quel prix on la vend, quel prix on l'achète, sa valeur, et donc ça va évoluer par joueur, et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer en fait, de miser sur le fait que telle boîte décolle, donc tel joueur, tel angel investor par exemple va vouloir miser dessus tout de suite avant que ça explose vraiment trop. Tel start-upper va lui essayer peut-être de pousser la valeur de sa boîte en innovant dedans, et en passant donc par le BPO. Vous voyez, il y a le même genre d'interdépendance que dans l'excellente Hégémonie que je vais arrêter de citer pour ne pas vexer les auteurs respectifs. On a une autre comparaison qu'on peut faire tout de suite et qui est rigolote, j'y viendrai dans ma review, hein, bien sûr, on est loin là d'une explication de règles, c'est ce qui se passe ici. Et en fait, c'est là où on pose ses ouvriers, c'est-à-dire que à chaque tour, on va choisir un ouvrier et l'affecter à un des thèmes.
La comparaison qu'on peut faire, c'est par exemple, parce que c'est relativement récent, on peut faire une comparaison à Endless Winter, dans le sens où, si je me retrouve premier joueur, je vais aller me mettre ici, je vais prendre un like, je vais prendre une carte, je vais faire évoluer ici le marché d'équité, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, et je vais prendre des sous, et je vais rester là. Ce qui veut dire qu'ensuite, si joueur numéro 2 veut effectuer les mêmes actions, aller dans le même thème, il va faire je prends un like, je prends une carte, je bouge ici, je défausse une carte pour augmenter pour faire voler ce marché là, et je m'arrête là. Donc plus vous allez essayer de faire des actions qui sont déjà effectuées par un joueur avant vous, moins vous aurez d'actions à votre disposition, et à la fin, surtout à 4 joueurs, je pense que ça vaut littéralement plus le coup du tout. Donc en plus de cette notion de pose d'ouvrier ici, de gestion de deck de cartes, d'entreprise, enfin tout ce qui est un petit peu gestion de ressources ici, on a un concept de priorité sur les actions, donc de planification, qui est particulièrement intéressant. Il y a un type de carte que j'aurais bien voulu trouver, parce que j'en ai entendu parler, ce sont les réactions du public, c'est-à-dire des cartes qui vont influer sur... ah voilà, ça va être une comme ça, j'imagine. Avec l'attraction, c'est-à-dire qu'il y a certaines cartes qui vont vous dire, voilà, il y a un buzz phénoménal sur BoardCube, et tout le monde est sur BoardCube, et donc ça va faire évoluer sa valeur, ça va faire évoluer pas mal de choses. Alors vous le voyez, si on doit conclure ici, parce qu'on est quand même sur un unboxing, et je vais pas aller plus loin sans avoir pratiqué, au risque de vous dire vraiment beaucoup de bêtises, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, il y a une direction artistique qui est volontairement, on va dire, réaliste, avec un plateau, un environnement... même une boîte d'ailleurs, hein, qui est assez light et qui se veut lisible, ce qui peut-être n'est pas une mauvaise chose. On y viendra dans ma review vidéo règle sur quand même des aspects, en tout cas si c'est pas réaliste, parce que je suis mal placé pour le dire à quel point ça l'est, qui s'inspire fortement et qui surfe bien sur toute cette mouvance de la crypto-monnaie, des nouvelles technologies. Et surtout, bien sûr, on est sur un système d'interdépendance qui... moi, me plaît énormément, et Hégémonie qui arrivera manifestement avant ce jeu-là, je l'attends avec une impatience folle. Donc on a cet aspect-là, lisible, on a pas mal de... Alors des règles qui sont pas trop grosses, j'ai 17 pages dans la bêta, ça aussi on y reviendra sur la review quand j'aurai pratiqué un peu. Ça n'a pas l'air impossible à comprendre, et je pense que c'est un poil plus light quand même en termes d'interaction et d'interdépendance que le fameux Hégémonie. Et on est sur une... ça peut être intéressant aussi, une occupation sur table. Alors là, je manque un peu de place, je pensais pas que le plateau était si grand. On n'est pas sur une occupation de table trop dingue, puisque finalement, dans votre zone de jeu, tout ce que vous avez, ça va être votre carte bleue, qui est ici, et puis les quelques jetons, donc les jetons d'idées, les jetons like, les jetons innovation que vous avez là, que vous allez collecter. Et puis voilà, et l'argent, j'ai dit les points tout à l'heure, l'argent que vous allez avoir, ce sera sur votre carte bleue, tout simplement. Alors vous m'excuserez pour cette bourde d'ailleurs de début de vidéo, on est bien sur de l'argent et pas des points. Les points sont déterminés en fin de partie selon la valeur a priori, la capitalisation des entreprises dans lesquelles on a misé. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, je pense que vous avez un bon aperçu un petit peu de ce que le jeu peut offrir. Et ce qui sera le plus intéressant, là je fais l'unboxing parce que ça fait partie un petit peu du triptyque qui a été demandé, mais le plus intéressant ce sera surtout de creuser les règles. Je pense pas que c'est un jeu qu'on achète forcément en priorité pour sa DA, d'ailleurs c'est pas... sans dire que c'est vilain, très loin de là, d'ailleurs j'adore le design des meeples, mais c'est pas un jeu en se disant... enfin, qu'on achète en se disant je veux cette DA de plateau, quoi. On se dit je veux jouer avec les nouvelles technologies, je veux jouer l'investisseur, je veux un petit peu comme dans Hégémonie, je veux incarner la classe populaire, la classe moyenne, je veux incarner l'État. C'est ce genre de simulation, vraiment à cheval entre le jeu et les simulations que va chercher ici Triple Meeple. Donc on se retrouve très vite pour parler de tout ça, pour parler de mon expérience de jeu. Il y a d'ailleurs des choses que je n'ai pas évoquées, comme les bull and bear qui sont là. Alors ce sont des termes assez, alors je ne veux pas dire techniques, mais c'est parce que j'y connais rien, des termes qui renvoient à un marché qui va être haussier ou baissier de manière assez régulière. Le bear, c'est quand ça descend, quand c'est en berne. Comme on a pu connaître, je crois, avec le Bitcoin récemment, le bull, c'est l'inverse, c'est quand ça monte de manière assez constante et assez safe. Donc on a, voilà, des petits imprévus, pas mal de choses qui s'imbriquent entre elles, et j'imagine que tout ça sera pas mal du tout, même si ce sera à réserver à un public qui sera pas tout à fait, je pense, casual, en tout cas pas un public trop jeune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine, et entre-temps, on reparlera bien sûr, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, on reparlera du fameux Dead Cell, on a aussi pas mal de choses hein, sur le feu en ce mois de mai. Portez-vous bien, on se retrouve très vite, salut !